Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les tangrammes qui sont présents dans la classe. Donc retenez bien ici le schéma pour pouvoir ranger. Je vais faire une petite pause. Tac. Pour pouvoir ranger le tangramme, deux grands ici, petit triangle, un carré, un trapèze et un autre triangle ici. Donc, le principe est simple, hein. Vous le connaissez, vous avez un modèle que vous devez essayer de reproduire avec les tangrammes. Donc là, le modèle, il est uni, d'accord? Si vous voulez une aide, en fait, le modèle avec les pièces détachées, il est derrière la carte. Donc ça, c'est un moyen soit de vérifier si vous avez réussi à le faire sans, ou soit ça peut être un moyen de le faire, c'est une difficulté en moins. Voilà, donc par exemple, pour ce modèle-ci, si vous voulez la réponse, vous avez en fait derrière, ici, la solution. Voilà, donc l'objectif, en effet, les cartes sont numérotées et donc on peut faire dans l'ordre tous les modèles de tangrammes. Voilà, vous connaissez très bien le principe. Amusez-vous bien avec les tangrammes sur les ateliers autonomes. Pensez à bien le ranger comme ceci pour les camarades. Je vous rappelle, voici le modèle, grand triangle, carré, les deux petits triangles qui sont à côté, le trapèze et le dernier petit triangle, moyen triangle qui est ici. Voilà.